Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 14 octobre 2020 sur l'hippodrome d'Angers. Avant de ne faire quoi que ce soit, retour sur le quintée de lundi qui avait lieu sur l'hippodrome d'Enghien. Valser di Poggio, le numéro 5 et grandissime favori de l'épreuve, signe une 10e victoire de rang. Si Top Prono donne tiercé, écarté, quintée plus dans le désordre, Turf Sélection fait encore mieux avec le quartet dans l'ordre, celui-ci affichant un joli rapport de 279,63 €. Beaucoup de vainqueurs lors du fameux concours de pronos gratuits. Fracoviac marque quelques petits points de plus que Tijo Larue, JPB80 et Naxburn qui le suivent de très près lors d'une journée où il n'y a finalement pas eu de gros exploits au classement général. Allez, étudions maintenant la 11e étape du Grand National du Trot. En ce mercredi 14 octobre 2020, c'est le sympathique hippodrome d'Angers qui sera à l'honneur. 16 trotteurs d'âge de grand talent prendront le départ du parcours des 3100 mètres lors d'une course où 3 échelons de départ seront observés. Une fois encore, les favoris ont les armes nécessaires pour faire le show lors de cette épreuve de groupe 3 à l'allocation totale de 75 000 €. Élite Beaufour, le numéro 4, est un élève de Jean-Michel Bazire qui ne déçoit pas depuis le début de sa carrière. Battu de peu en dernier lieu sur l'hippodrome de Lisieux lors de la précédente étape, il occupe aujourd'hui la première position du classement, mais ceci à égalité avec d'autres concurrents. Déféré des 4 pieds et partant en tête, il va s'emparer seul du maillot jaune de leader aujourd'hui. Fakir du Loro, le numéro 14, s'entend parfaitement avec son partenaire de toujours, François Le Canut. Revenu en grande forme et venant de battre notre favori sur l'hippodrome de Lisieux, déféré des 4 pieds, il peut rendre une nouvelle fois victorieusement la distance de 25 mètres. Alinéa, le numéro 10, est un cheval compliqué mais doué. S'il est décidé aujourd'hui, il peut faire le tour de ses rivaux et monter sur le podium. Et voilà De Muse, le numéro 1, déféré des 4 pieds et s'entendant parfaitement avec Hugues Montulé, visera une place dans les 4 premiers. Contre Edérable, le numéro 7, superbement engagé au premier échelon et déféré dans l'intérieur, visera une place dans les 5 premiers ici. Bleu Ciel, le numéro 13, piloté pour la circonstance par Franck Nivard, n'a qu'à faire sa meilleure valeur pour terminer dans le quintet plus. En cas de non partant, Cap Don Armon, le numéro 12, qui vient de très loin pour courir ici, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très bon quintet plus et vous disons à demain pour une nouvelle minute quintet.